Chers amis, je dois vous faire une confession. Je me suis aperçu que ce magnifique bonnet rouge se mariait affreusement mal avec ce tout aussi magnifique polo vert. Donc, je suis désolé, tout simplement. Ceci dit, ça ne va pas nous empêcher de progresser sur quelque chose de vraiment spécifique. Vous savez, ce sont les phrasal verbs. Aujourd'hui, le bien nommé to send. Alors, to send, c'est un verbe irrégulier. Vous le savez. Puisque au past simple, donc au prétérit, c'est sent. Et le participe passé, c'est exactement la même forme. Il signifie de manière générale envoyer. Comme tout bon phrasal verb, phrasal verb, vous pouvez rajouter une particule. Donc là, par exemple, on a back. Ici, on a for. Ici, on a in. Ici, on a off. <coughs> off et non pas of, d'accord Puisque ça, ça se prononce of. Ça, ça se prononce af. Ne vous trompez pas. Et à chaque fois qu'on rajoute une particule, il euh, y a le pompon qui me déconcentre. Mais je ne vais pas le tenir, sinon on ne va pas pouvoir faire ça. On va continuer alors. Donc, à chaque fois que vous rajoutez une particule, vous modifiez le sens euh, du verbe. Alors, parfois profondément, de beaucoup, ou parfois juste un tout petit peu, on va le voir. Donc, gardez bien en tête que c'est envoyer. Par exemple, to send. Back. Vous savez, back, c'est le retour. To come back, par exemple, ça veut dire revenir. To come back. Revenir. Et to send back, très, euh, très logiquement, c'est renvoyer. Par exemple, I sent back the package because it was damaged. OK? I sent back the package because it was damaged. Package. Faites bien attention. Accent tonique ici et là. Le I. C'est un I court qui se prononce en fait presque comme un E. e accent aigu. Package. Because, 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 ok? Et pas because. I sent back the package because it was damaged. Là aussi, vous avez une symétrie avec, pardon, package, ok? Avec damaged. Sauf que là, on a un ED à la fin. Damage de. Et ça se prononce comme un de vraiment mais atténué ici celui-ci d'accord Puisqu'on a l'accent tonique sur la première syllabe damaged et souvenez-vous que ce i court il se prononce presque comme un et revenons à nos moutons si vous le voulez bien donc to send back c'est renvoyer OK alors avant de continuer si vous ne l'avez pas fait vous pouvez toujours accéder au programme I Speak spoke, Spoken jusqu'à ce soir minuit à moins 50%. C'est la promo Flash. C'est la première et la dernière fois en trois ans que je le fais. Donc profitez-en jusqu'à ce soir minuit. Pour y accéder, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Ensuite, vous avez demandé à quelqu'un de venir. Faites attention parce que la structure est vraiment particulière de ce verbe to send for someone. Vous voyez, c'est assez long en français, demander à quelqu'un de venir. En anglais, ce sera to send for someone. He's sick. Il est malade. We should send for a doctor. On devrait demander à un docteur de venir. Vous voyez, c'est tout renversé. We should send for a doctor. On devrait envoyer pour un docteur. Non, on devrait demander à un docteur de venir. Et c'est pas très transparent comme structure. C'est-à-dire que si vous voyez cette phrase sans avoir vu au préalable. Juste qu'il y a au-dessus là, to send for someone est égal à demander à quelqu'un de venir. Ça va pas être facile de traduire, voire même ça va être impossible. C'est pourquoi je voulais décortiquer petit à petit euh, euh, tous les cas possibles, ou en tout cas les cas les plus communs pour ce phrasal verb to send. Je vous répète ça. He's sick, ok? He's sick. We should send for a doctor. Alors faites attention, hein, pas de should. Le l, vous le savez, c'est comme dans would. Il ne se prononce pas, ok? Donc, should, would, send for a doctor et pas doctor, non, doctor. Accent tonique sur la première voyelle ici et ça se prononce presque comme un allon, doctor. Là où il faut aussi prêter attention, c'est à la traduction de la première phrase puisque je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. J'ai renvoyé le colis, ok Package, c'est typiquement, alors c'est peut-être plus euh, anglais-américain mais ça sera aussi compris par les Britanniques, les, en anglo-australien, euh, Anglo vous direz aussi package. Donc ça, c'est assez universel comme mot pour dire le colis. J'ai renvoyé le colis parce qu'il était endommagé, abîmé, d'accord Be Because, because it was damaged. C'est vraiment intéressant au niveau vocabulaire, mais surtout ici au niveau prononciation. Pour moi, c'est la phrase majeure à absolument retenir de cette leçon si on n'avait qu'une seule. Ensuite, nous avons troisième possibilité, donc là j'en ai identifié cinq pour vous, chers amis, to send in someone. Donc généralement, ça signifie envoyer quelqu'un pour régler une situation sous-entendue, pour régler un problème. Par exemple, il a fallu envoyer la police. The police had to be sent in. The police had to be sent in. Donc là, on a une voix passive. Vous voyez? En, anglais, en français, on va utiliser il qui en fait est un neutre parce que il, ça renvoie à personne ou en tout cas, on ne sait pas à qui ça renvoie. Il a fallu, c'est de cette façon qu'on va euh, amener notre passif. Et en anglais, on aura un vrai passif dans le sens où on va commencer par l'objet grammatical, bien évidemment, ici, qui est donc la police, la police qui a dû être envoyée par quelqu'un. Vous voyez, le par quelqu'un, c'est en fait... Là, par contre, c'est celui qui fait l'action, mais il se retrouve à la fin puisque c'est une voix passive. Je ne reviens pas sur la voix passive. On avait déjà fait des vidéos là-dessus. Mais retenez vraiment ceci, « to send someone in », c'est envoyer quelqu'un pour régler un problème, régler une situation. Okay? « The police had to be sent in ». Encore une fois, le but du jeu, c'est de comprendre lorsque vous allez les rencontrer à l'écrit et à l'oral, c'est « phrasal verb ». Et après, lorsque votre niveau d'anglais va évoluer, vous allez pouvoir bien plus activement les utiliser. Okay? Il ne faut pas vous mettre trop la pression et avoir une marche d'escalier qui est trop haute. Le but, c'est de pouvoir la monter comme ça. Ce n'est pas de devoir tendre les bras pour euh, vous hisser jusqu'à la prochaine à la, force, euh, à la force de vos muscles. Non, tout simplement, c'est de prendre du plaisir. Donc, on met la marche pas trop haute et le plaisir amène la régularité et la régularité amène les progrès en anglais. Ça marche vraiment comme ça. Plaisir, régularité, progrès. Okay? Donc déjà, cherchez à comprendre ça tout simplement et retenez bien par contre cette première phrase parce qu'elle est vraiment intéressante au niveau prononciation. Ensuite, avant-dernier, euh, phrasal verb. Assez facile parce que je vous donne une petite astuce. Quand vous avez cette préposition généralement qui est rattachée à un verbe, euh, off, ça signifie le passage brutal souvent d'un état à un autre, typiquement. Uh, fermé, ouvert, marche, pas marche, vraiment c'est un changement d'état brutal. Par exemple, uh, to, to switch off the light, ok, ça veut dire éteindre la, la lumière, okay? To switch off the light. Qu'est-ce que vous avez d'autre eh par exemple, to send off, c'est vraiment, boom, envoyer, expédier, ok. We are sending off your order. Order. Alors, ne faites pas un H aspiré ici, mais c'est bien un accent tonique sur la première syllabe tout de même. Donc, nous sommes en train d'expédier votre commande. Si vous utilisez l'anglais pour votre travail, quel que soit votre domaine d'activité, ça c'est à connaître par cœur aussi. Ici, on utilise un, present, un présent progressif. Pourquoi un, c'est soit, alors là, on n'a pas le contexte exact, mais c'est soit comme on a un présent progressif, une action qui est en train de se dérouler, ou alors c'est dans un futur tellement proche, nous allons expédier votre commande qu'on s'est permis de le mettre à un présent et ça sera donc un présent progressif. C'est exactement comme quand vous dites j'arrive, on vous appelle j'arrive, on sait vous et moi que vous n'êtes pas en train d'arriver de marcher. Non, j'arrive, ça veut dire ok, je me mets en route dans 30 secondes, je suis là vraiment bientôt, bientôt, bientôt. Et vous pouvez employer en anglais le présent progressif de cette façon pour exprimer un futur très très proche qui va se réaliser incessamment, sous peu. Donc typiquement, on pourrait dire par exemple, we are singing, sending off your order. Et voyez en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de rajouter de la grammaire avec du vocabulaire, avec de la prononciation. Et le tout, ça fait une bonne recette de cuisine. Pour avoir un bon anglais. Ce n'est pas le tout de dire, OK, bah, on fait aujourd'hui phrasal verb et boum, on apprend euh, comme une brute les phrasal verb en faisant du par Ça, c'est horrible. Il faut tout mêler. Pourquoi Parce que quand vous parlez, quelle que soit la langue, en tout cas, que ce soit le français ou l'anglais, bah, vous allez faire de la prononciation, de la grammaire, de la syntaxe. La syntaxe, c'est l'ordre des mots. Et évidemment euh, du vocabulaire. Donc souvenez-vous, we are sending off your order. Nous allons, nous allons expédier, nous allons expédier incessamment sous peu votre commande, votre commande pardon, ou nous sommes en train d'expédier votre commande. Et pour finir en beauté, si je puis dire, to send out. Alors ça veut dire envoyer et c'est utilisé typiquement pour les courriers, alors courrier physique et les emails. Par exemple, they send out thank you letters. Ils ont envoyé des lettres de remerciement. Au passage, voyez comment est formé le complément du nom lettre de remerciement en anglais. Qu'est-ce qu'on fait typiquement à l'anglaise On a letter. Alors les, le T ou le double T, vous savez, vous me voyez venir. Quand il est compressé en deux voyelles, qu'est-ce qui se passe Il se transforme presque en deux. Ok. Donc, ça nous donnera letter. Later. En American English. Typiquement, on met tout ce qui qualifie le nom en anglais. Toujours, toujours, toujours. C'est pas comme en français à droite ou à gauche. Là, en anglais, c'est toujours à gauche. Et pour former un adjectif de remerciement, qu'est-ce qu'on fait On met toujours, s'il y a deux mots, un tiret entre ces deux mots. Ce qui nous indique le fait que ici, c'est bien un adjectif. OK Thank you. Thank you va qualifier letters. Donc, des lettres de quoi Pour remercier, des lettres de remerciement. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le tiret. Je sais que les anglophones, une fois sur deux, ne le mettent pas, mais c'est une faute en anglais si vous voulez bien écrire correctement, puisque ça ne change pas la prononciation. J'insiste. Oui, je sais, je suis pénible, mais c'est normal. Vous mettez bien, s'il vous plaît, le tiret. Et évidemment, ici, on a une forme au passé. Donc, ils, envoient, ils ont envoyé, alors on va traduire très simplement par un passé composé. On pourrait, avec une forme plus soutenue en français, le traduire par un passé simple. Mais dans une langue très courante, ils ont envoyé des lettres de remerciement. Méfiez-vous. Ici, c'est un pass simple qui indique le fait que ça s'est été fait dans le passé et que ça n'a plus de relation dans le présent. Alors qu'en français, on traduit par ils ont envoyé des lettres de remerciement. Qui peut tout à fait dire. Ben, le fait que c'est une action qui s'est passée, qui n'a pas de relation, qui, a été dans, qui est dans le passé, qui n'a pas de relation avec le présent. Donc dans ce cas-là, on a vraiment la même chose que notre prétérite. Ou ça pourrait aussi traduire une phrase au present perfect en anglais. Okay? Have sent. Et là, dans ce cas-là, on a une nuance qui est rajoutée. C'est le fait que si on a une phrase au present perfect, il y a une relation avec le. Peut-être qu'ils attendent un résultat, etc. Mais ça, ça dépend du contexte. Vous ne pouvez pas le savoir comme ça si vous n'avez pas l'info au niveau du contexte. Donc, souvenez-vous: send back, to send for someone, to send in someone, to send off et to send out. They send out thank you letters, lettre de remerciement, thank you letters, to send off your order, expédier votre commande. Et ensuite, phrase, si je puis dire, iconique du jour. « I sent back the package because it was damaged. » Ok guys, on est bon Yes, no Si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, il suffit de mettre un pouce bleu juste en bas à droite. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore accéder à l'offre Flash, chers amis, moins 50%. C'est jusqu'à ce soir minuit. C'est la première et dernière fois en trois ans que je le fais. Sur un ensemble de programmes de Xbox spoke, Spoken. Pour aller voir, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à très vite. À demain. Have a great day or maybe a great evening. Bye bye. Talk to you tomorrow.